Je ne suis plus amoureux de la mangerie. Je ne suis plus amoureux de la mangerie. Certains diront qu'il exagère, d'autres l'assimileront à de la poésie, d'aucuns s'imagineront qu'il se fait des films. Il ne s'agit pas de dessins animés, mais plutôt de ce que je vis pour Gilda. Pensez à lui au masculin pour la puissance réalisée sur la création. Pensez à elle au féminin pour l'esprit d'amour que je ressens pour sa personne. Dans le calme et la sérénité du corps physique s'évapore de mon corps. Le feu d'amour désirant sa majesté au féminin. Par la pensée et l'esprit du corps spirituel se dessine dans mes pensées l'érotisme de l'amour érotique que je ressens pour sa majesté au féminin. C'est fantastique, ce n'est pas un amour humain, c'est un exploit car le monde est dirigé par le méchant. C'est délicieux, le plaisir laisse transparaître la jouissance du corps spirituel. J'en redemande car l'être humain est un insatiable. Je souhaiterais que vous le viviez car c'est un plaisir personnel. Prouver aux anges fidèles que les humains eux-mêmes sont des égoïstes. Ils ne pensent qu'à la petite personne. Qui sont les anges pour avoir besoin de preuves visibles, pour se convaincre, se rassurer qu'un dieu d'amour au dessein si bienveillant peut avoir l'autorisation de gouverner. Qui sommes-nous pour oser prouver à ces anges que Satan a raison? Nous sommes une brume qui apparaît et puis disparaît. Le retour au chaos sera plus court. Pour nos pensées, source de joie et désir pur de lui traiter avec honneur et respect.